Yo tout le monde, c'est Zor, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Ark. Et pour cette vidéo, on va capturer un Teriso... Ça commence bien. Un Terizinosaurus, voilà, qui vient de sortir il y a quelques jours. Je commence déjà bien à le prononcer. Et c'est celui-là, voilà, il vient de sortir. C'est tout nouveau, ça fait pas mal de dégâts. On a perdu malheureusement un dinosaure à cause de lui. Et pour cette vidéo, encore une fois, je suis accompagné de Had. Salut mec. Salut mon petit Zor, bonjour à tous. J'espère que t'as la forme. Ah bah j'ai une patate incommensurable. C'est magnifique bon ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est le principal. C'est toujours palpitant d'ajouter un dino à notre collection, je trouve. Tout à fait. Alors est-ce qu'on prend celui-là au niveau des couleurs? Est-ce que ça te plaît? Eh ben alors, disons que on n'a pas 36 solutions, hein, je crois bien. Puisque c'est le seul que j'ai vu en tournant un petit peu tout à l'heure sur l'île. C'est le seul que j'ai vu. Alors je pense que pour un premier... On va choisir celui-ci. Bah mets-toi un peu sur le côté, parce qu'on va faire la technique de le tame directement sur l'oiseau. Dis-moi quand t'es prêt. Est-ce que là tu peux le viser? Vite fait, ouais. Là tu te mets du... Faut que tu te mettes plus à gauche, parce qu'en fait il y a tes ailes qui me cachent et je vois rien. Là c'est bien là. C'est bon, j'ai touché. C'est un dino qui fait assez mal. On va, voilà, on essaie de l'endormir. Tain, je vois rien. Narco, tout simplement. Il peut pas te toucher là. Non, c'est bon. Je vois que dalle. C'est bon. Vas-y, recule. Ouais, je recule un peu. C'est bon, c'est touché. Ah non, il est beau, il est magnifique. Ah, il est très très beau. Ça me gêne, je vois que dalle. Faut que tu te mettes du. Ouais, merci. Merde. Ah bah c'est bon, j'ai touché. Vas-y, avance un petit peu, ouais. Non, non, ça va, il est beau en fait, j'ai rien dit. Allez. Alors par contre, il doit être assez haut niveau parce que tu vois qu'il faut pas mal de flèches pour le tame. Merde, là je me suis fail. J'espère qu'on aura assez de narcotiques et assez de flèches. C'est pas gagné. Moi aussi. Peut-être que ce sera un fail, hein. Ça peut arriver des fails aussi. Hein. Peut-être qu'on va. Ah, oula, fais gaffe. Il m'a donné un coup. Il m'a pas touché, mais il a tenté. Un petit peu trop bas, peut-être. Voilà. C'est bon, j'arrive à le toucher. Ah oui, il est coriace. Hein. Ah oui, il est. C'est pour ça que je pense que j'ai bien fait de faire 60 flèches parce que. Ah ouais, j'avoue. Ça devrait servir. Parfait. Bon. Il y a toujours un peu de neige. Ouais. J'espère qu'il est pas au niveau, hein, parce que sérieusement, on va mettre du temps sinon à le tame. Oh. Ah ouais. Touché, vas-y. Avance. Putain, il me reste 3 flèches. Allez, faut y croire. C'est peut-être une de ces 3 qui vont l'endormir. Ouais. Putain, il reste 2 flèches. Il s'en va. Retourne vers lui. Merde. Allez. Putain, il me reste une flèche. Bon. J'ai plus de flèches. Attends, il y a pas de technique malheureusement. Il est niveau combien sans déconner? Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais malheureusement cette première tentative est un échec. Mais bon, il fallait s'y attendre, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et en plus, Terizinosaurus était niveau 135, donc très haut niveau. Et il est très difficile à capturer. Les 60 flèches narco n'ont pas été suffisantes. Malheureusement on a été tués. Mais bon, c'est pas grave, notre objectif maintenant ça va être de fabriquer un fusil et des fléchettes tranquillisantes pour aller en capturer un autre. Avec les fléchettes tranquillisantes, ça va être déjà un peu plus facile. On s'avoue pas vaincu, on craft tout ça et c'est parti pour la suite de la vidéo. J'ai pu récupérer les sangs de narco, donc c'est nickel. Parfait. Rien. Ouais, c'est ça. Il faut 3 narcotiques, lingots de métal et balles de fusil. Il faut des balles de fusil. Les balles rondes, c'est qu'il faut. Balles de fusil ordinaire. Ok. Donc, il faut quoi pour faire des balles de fusil ordinaire? À part du fer, j'imagine. Ouais, donc faire masse de fer quoi. Tu fais cuire du bois. Ouais. On en a plein, hein, du charbon. J'en avais stocké l'autre jour, je sais plus. Ouais. Poudre à canon, ça, il me faut de la poudre étincelle. Oh l'enculé. Oh. Pierre et silex. Ah, de la. Ah oui, la spark powder. Moi je prends la pierre. C'est la spark powder plus du charbon. Ouais. Hop, je mets la pierre ici. Ensuite, faut du silex, je vais aller en chercher. T'as pioche sur toi ou pas? Ouais, tu l'avais. Pour chercher du silex. Bon, on va fabriquer de la poudre à canon pour faire des balles ordinaires. Avec ces balles ordinaires, ensuite, il va falloir du fer et on va pouvoir avoir de la narco. Et ensuite, on va pouvoir se crafter des fléchettes. Et il va nous en falloir pas mal, c'est ça? Ouais, il va en falloir pas mal. Combien exactement pour le... Fusil. Ouais, le fusil, ça, tu t'en occupes. Moi, je m'occupe des balles. Ouais. Il s'occupe des balles, il faut du fer. Donc le fer il en a ramené plein je pense.
Ouais, je fais pas. Il faut continuer à en faire. Ouais, donc petit point les viewers, on est en train de préparer un fusil, ouais. Un long neck tout simplement, avec quelques petites tranquillisantes darts, des petites flèches pour l'endormir. Ce sacré dino, c'est la première fois que je rencontre autant de difficultés sur un dino. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, au moins vous savez que c'est pas super d'y aller avec des flèches narco, ou en tout cas y aller avec une centaine de flèches narco, parce que sinon, bah, c'est un peu compliqué. Donc, on va y aller avec des flèches, et ça devrait le faire. Des fléchettes, et ça devrait le faire. Ça devrait passer sans problème. Allez. Ça devrait aller. Là, je peux le faire, le fusil. Craft item. Notre premier long neck, quand même. Ce moment est historique. Mon moment est historique, c'est vrai. Premier sniper de crafter. Voilà, je fais un peu de métal là. Ouais. Ouais, parce que je crois que les fléchettes demandent aussi du métal. Hein, donc, il nous en faut quand même un certain nombre. Allez, étincelle. Oh, tout fabriquer. Ouais, peut-être pas tout fabriquer parce que je peux fabriquer plus de 200 de. Quoique... Ah, fais-les. Ouais. Parce qu'on en a besoin aussi pour le frigo, tu sais. C'est ce qui permet de faire marcher le frigo. Et maintenant, je peux crafter les poudres à canon. On va tout crafter. Hop. Bah, tu sais quoi, on va attendre que tout se craft. Ouais. Et le 6 de fer, là, je vais les mettre à faire fondre. Hop. Encore un peu de fer là. Ouais, faut remettre du bois, mettre tout ça à faire fondre. Je trouve que la cohésion est vraiment parfaite entre nous. Hein, ah oui, ça c'est, y a aucun souci. Y a aucun souci pour ça. Parce que beaucoup de duos, hein, genre Link et Terracid ou Bob Lennon et je sais pas qui, Fanta machin, ils auraient baissé les bras. Ils auraient baissé. Non mais c'est vrai. Les mecs ils auraient dit attends, le dino il est beaucoup trop fort, on baisse les bras. On baisse les bras. C'est pas notre philosophie. C'est pas notre philosophie de vie. Ouais. Nous, dès qu'on chute, on se relève. Voilà, et c'est là la grosse différence. Faut rien. Bon, allez, hop. Ça, c'est ok. Allez, le métal fond tranquillement. On va aller faire les petites... Je vais aller boire un coup. Fléchette. Va donc. Ah ouais, vous avez récolté masse pierre, là. Oui, on a... Oui, Jade, c'est Auronra, s'en est occupé, ouais. Pas mal du tout, ça. Merci à toi, Auronra. C'est comme ça qu'on dit, Auronra. Ouais, c'est Auronra, ouais. Attends, je crois que sur un dino, j'avais mis Léa. Du charbon. Ouais, vas-y. Léa ? Non, Léa. On a une nouvelle personne dans la tribu. C'est ça. Qu'on nous a pas encore présenté, on le fera peut-être pour une prochaine vidéo. Ouais, prochaine fois. Il faut du charbon. Il me faut du charbon. Ah bah c'est bon. Ah mais c'est bon, il y en a 400 là. Ah bah voilà, nickel. Tu vois, on avait bien fait de stocker le petit charbon là. On l'avait mis de côté, on s'était dit, ça va nous servir un jour. Ah bien sûr. Effectivement. Ah, je fabrique plus de 100 de poudre à canon. Ah, parfait ça. Powder. Là, je peux vous dire que là, ça va carburer. Là. Là, on va carburer. Ouais. Ça va carburer sec. Ok, donc le fer, faudrait que tu mettes dans la table ici pour que je puisse crafter les balles en question. Ouais. Je te le mets là. Donc poudre à canon et lingot de métal, c'est parfait. Et ensuite, il me faudra des balles de fusil ordinaire, lingot de métal et de la narco. Je sais pas en combien de flèches faut qu'on crafte, sérieux. Une cinquantaine? Ouais, moi j'en ferai 50. Ouais. Ouais. Franchement, j'en ferai 50. Au moins, comme ça, on verra combien il faut de flèches narco pour endormir un dino de ce type. Le Therizinosaurus. Voir combien il faut de flèches narco pour l'endormir, tout simplement. 49, je vais prendre les lingots d'or. Les lingots de fer, pardon. Hop. Je vais décharger celui-là. Ouais, c'est bon, je le prends. 5. Hop. Si tu peux me les déposer là-dedans. Hop, parfait. Ça alors, c'est ok. 32. Munition, hop. Je peux en fabriquer 8. Je crois que j'en avais chopé une lunette dans un des rayons. Ça se trouve on en a une déjà. Bah c'est possible. Oui on a ramené pas mal de stuff donc c'est possible. Deux lingots de fer. Il y en a pas. Non. Il y en a pas. Alors après ça c'est très rapide à faire. Hein. À la limite si ça peut t'aider à snipe. Bah non parce qu'il va être prêt donc j'ai pas envie d'avoir une lunette qui zoom. Beaucoup trop, tu vois. Ah ouais, puis en fait, je crois que quand tu l'as en mode fléchette, je crois pas que tu puisses utiliser le snipe. Vas-y. Me semble pas. Ah, pardon. Par contre, poudre à canon, j'en ai déjà plus. Donc, va nous en falloir. Ouais. Ah ouais, va nous en falloir de la poudre à canon. T'es sûr que c'est celle-là, balle qu'il faut faire? Bah oui. Heureusement. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ça, tu m'as foutu le doute pendant 12 ans. Il me semblait que c'était des rondes. Non. Commence pas.
Vas-y. Je suis à 16 Et donc balles tu là, mets donc. ça avec. Tu mets ça avec de la narcotique et ça fait des. Oh, bah je refabrique encore 88. Ah, mais du coup, faut que je fasse de la narcotique, enfin, faut qu'on ait de la viande périmée et des narcoberries. Ouais. Alors, la viande périmée, on en a Alors là. malheureusement, on n'a plus de dino qui récolte, donc là c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un petit peu Attends, est-ce que. compliqué. J'ai besoin d'EB, voilà. Hop, hop, hop. Ça, tout fabriqué. Ensuite, je vais prendre le charbon. Prendre la poudre pour fabriquer dans l'autre. Voilà, 48. Et il va nous manquer ouais, du charbon. Il va nous en falloir. Charbon encore, il manque. Ouais. Ok. Ah, j'en fabrique 8 encore. Il est level 48 de rien. 5. Non. Si, si, si. Ouais, faut le capturer. Faut qu'on se capture. Il est level 5, mec. Ouais, bon, on le capture ce soir. Faut, ça va être rapide, Il est c'est. Keblo. Ah ouais, Il faut est vite. complètement On va se Keblo. le faire, on va se le faire. On va se le faire. Cinquantaine de balles. Peut-être que même moi, c'est aura assez. Je pense aussi, ouais. Parce que 50, si ça te coûte 3 narcos à chaque fois, ça veut dire 150 narcos quand même. Ça fait énorme. Ouais. Munitions, hop, j'en fabrique 5 déjà. Ouais, sachant que celui qu'on a trouvé, il est level 5. Donc je pense que t'as pas besoin d'autant, à mon avis. J'en fais 10. Fais-en 20 peut-être. 20, ok. Ouais, 20, on est bien, je pense. Je te propose qu'on se mette totalement à poil. Ouais. Et je te grappe en Ptera et on le C'est chope bon. dans l'air comme tout à l'heure. Du coup, faut vraiment se mettre à poil. Et vu qu'il est à côté de la base, on viendra chercher la narcotique après C'est bon. quand il sera endormi. Attends, je vais mettre ça là en attendant. T'as un Voilà, casque qui est parfait. par terre. Un quoi? Moi, je mets tout dans ton casque, il est par terre, dehors. Ok, ça bug. T'as tout ce qu'il faut, c'est bon? Oh, mais moi, je prends rien, je mets tout dans le truc et je reviendrai chercher après la narcotique et les baies. Ouais. Bon, vas-y, c'est bon, Bah, on est je go. peux. Enfin, je peux en On prendre est quelques-unes parti. quand même juste pour les mettre dessus au départ, mais. Ouais, vas-y, mais j'en ai de toute façon, j'en ai 38 sur moi aussi. C'est quoi que t'as 38 de quoi? 38 narcos. Ok. Bon, bah, faut qu'on reste autour parce que t'imagines si c'est comme l'autre dino où la torpeur Ouais. elle descend très rapidement, ça va être chaud quoi. Attends, je vais prendre des baies aussi. Hop. C'est bon. Oui! Va doucement, va pas trop vers la Alors. base là-bas s'il te Ouais. plaît. Regarde. Ah ouais, mais il est juste là, tu vois, à droite. Tu le vois? Non. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Oh, il est belle couleur en plus. Vas-y, avance. Ouais. Allez, musique épique. Je mettrai une musique épique à ce moment-là, parce que là, après Mets-toi sur un le côté, s'il te fail. plaît. Attends, je vais me mettre comme tout à l'heure. Regarde, hop, là il est derrière. Touché, c'est bon. Allez, touche une fois. Je vais l'attirer un peu vers la Touché deux base. fois. Là, faut pas qu'il nous gobe par contre, parce que là, on n'a pas de. Trois balles. On n'a pas d'armure. 3 balles, ok, on continue. Putain, faut que ça marche. Là, faut que ça 4. marche parce que. Allez, allez. Ah, il s'enfuit. Touché. Ouf, putain, le rollback. C'est bon, on l'a endormi. Parfait, ça y est. Yes! Enfin! Wouh! Ça y est. Allez là! Allez, vite. Allez! Vite, vite, on va mettre la narco dessus. Parfait, c'est bon. J'ai mis. Les baies. Voilà, j'ai mis les baies, j'ai un peu de narco aussi. C'est Et bon, ben je là, tape on est pas pas plus. mal. On est pas Là, mal. on est pas mal du tout. Alors, tu le contrôles le temps C'est d'aller bon, c'est bon, chercher le c'est bon. reste? Vas-y, va chercher le Ouais, reste. je cherche le Protège, reste. les couleurs sont Victory! putain, plutôt Victory! sympas. Yes! Et niveau On est que 5. level 5. Ouais, alors comme on vous a C'est de dit, la c'est vrai merde, que mais ça bon. aurait été mieux que ça soit plus haut niveau, mais bon, c'est pas. Au moins ce soir on le capture et c'est bien. Ça, c'est cool. Mais voilà, c'est dire c'est un essai, c'est un test. On fera mieux la prochaine fois. Comme pour les Ptera. Au début, on a commencé avec des Ptera C'est pourris. ça. Maintenant, on a pied palmé qui est level 200. Et bien, on fera pareil avec lui. Voilà. Tout à Tu veux que fait. je ramène ton stuff peut-être? Oui, Comment on si fait tu veux, ça dès que t'es vas-y. pas un Ouais, Rex? vas-y. Tac, tac. J'ai Je encore mes prends baies. ton stuff aussi. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a un genre de dodo, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les gros oiseaux là. Ouais, je vais venir l'attirer pour l'écarter. Tac, Parce qu'il faut pas qu'il prenne de tac. dégâts, c'est pour ça. Tac, Et pour le moment, il mange pas ok. le Il mange pas. Pterizonurus. Non. Prendre la viande aussi, on sait Il est jamais. On va lui herbivore mettre les donc. deux dessus.
Normalement, il est revivant de ce qu'on a lu, mais après. Ah, si, c'est bon, c'est bon, ça marche. Si, si, bon, j'ai rien dit. Ouf, tu m'as fait peur. Ouais, fallait juste attendre un petit peu. Tu m'as fait flipper. Tiens, je vais faire aussi un peu de. Mais même niveau 5, je pense que ça va être assez long, hein, parce que je vois que ça monte pas très très vite. Ah oui, c'est tout pourri, hein. Ouais, c'est tout pourri, bon, mais ça va. Bon, mais déjà, voilà, on a réussi à le capturer. On va pouvoir, normalement, je pense, pouvoir récolter des baies avec lui. Pas sûr, mais en tout cas, je pense que c'est plus pour du bois et porter des charges lourdes. D'après ce que j'ai pu voir sur les dessins, c'est pour pouvoir ramasser du bois et des charges lourdes. Mais c'est pas parce qu'on peut récolter que du bois qu'on peut pas récolter des baies avec. Donc, normalement, ça devrait être faisable. C'est en train de monter. C'est en train de monter petit à petit. Ouais. Ça avance, ça avance. 3 quarts d'heure, je pense, à peu près. 3 quarts d'heure et 99,9% d'efficacité. Ça, c'est cool. Bon, il est bas niveau, certes, mais c'est pas grave. Au moins, on en capturera un plus tard, peut-être plus haut niveau. Et de toute façon, je pense que c'est pas non plus comme le Ptera hyper important qu'il soit au niveau, tu vois. C'est pas. Non, c'est pas comme si on allait faire du PVP ou ce genre de choses. Même Ptera encore pour qu'il aille et qu'il vole rapidement, oui. Ça, je veux bien encore que ça soit intéressant. Mais lui, bon, voilà, ce sera surtout pour aller attaquer des dinos herbivores et. Oui, voilà. Ce sera surtout pour ça. Bon, ça monte petit à petit. Donc, ouais, une petite astuce. Bon, il y en a beaucoup qui la connaissent. C'est Ad qui vient de m'en la faire découvrir. Donc, une petite astuce qui peut peut-être vous aider de mettre des pics, comme ils viennent de le dire, tout autour pour éviter de qu'ils se fassent attaquer, tout simplement. Ben, ça avance. Quand vous êtes vraiment seul, quand vous êtes seul en tame, vous pouvez même vous enfermer complètement avec le dino. C'est ça. Et comme ça, vous êtes sûr d'être protégé. Donc voilà, bah écoutez, petite ellipse, hein, ouais, on va pas ellipse. Vous infliger ça, on se dit à tout à l'heure quand il est tame. Allez, à de suite. C'est parti. Bon, au bout d'1h30 d'attente, c'est reparti, on a dû attendre 1h30, c'est hyper long, parce qu'en fait on n'a pas préparé de légumes. Minuit 42, très minuit précisément. Minuit 42, minuit 42. On est assis pour travailler, tout va bien, tout va bien en KLM. C'est pas le souci, donc en fait ça a été assez long parce qu'on avait que des baies. Ça y est. Ça y est, et t'as la selle en plus. Donne-lui, on verra après, plus tard. 1h30. Appelle 1h30, vas-y. Allez, appelle 1h30. On changera le nom plus tard. Voilà. Et ce qui fait qu'on a mis 1h30 parce qu'on n'avait pas de légumes. Si vous avez des légumes, forcément, je pense que vous allez augmenter le temps. Mais bon, alors, en attendant, ça a été niveau 5, 1h30. Imaginez si on avait eu Tame, le niveau 135. On a remis plus que d'1h30, on aurait mis peut-être 3h30, voire un peu plus, donc... Ça aurait été catastrophique, quoi. Et voilà, c'est bon. Il est sauvé. Parfait, on peut monter à 2 peut-être. Attends, on va voir si on peut monter à 2. Je ne t'entends plus. Alors attends, on va voir si on peut monter... Ouais, tu bugs un peu ce soir. Non, on peut pas, moi c'est pas grave. Mais par contre, il est très grand. Hein. C'est vraiment, vraiment grand. Je pensais pas que ce serait... Voilà, on peut monter dessus, tout on va bien. On peut monter dessus, c'est super. Il est assez grand. C'est nickel. Putain, c'est gros. Putain, je m'attendais pas à ce que ce soit. C'est immense. Ouh, écoutez, dodo. On se quitte ici. On va s'arrêter merci ici, ouais. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Exactement. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, hein. Je compte sur vous. Toujours. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Et puis, on se dit à la prochaine. La prochaine, ce sera probablement du build parce qu'il faut quand même qu'on s'y remette. Ouais. Mais voilà, ça va être, je pense, dédié au build. Ouh, ça récolte là, beaucoup de fibres. Beaucoup de fibres. Ah, ça récolte des fibres. Ouais, ouais, ah, des fibres. Cool, ouais, des fibres. Et attends, je vais tester vite fait le bois. Ouais, ça récolte du bois, voilà, parfait. Donc je pense qu'on va augmenter les dommages de délai et un petit peu tout. Surtout les dommages de mêlée, parce que ça sera plus important avec lui. Ouais, c'est un bon petit dino. Allez, ciao ciao à tous. Ciao, bonne soirée les gens, à plus tard. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao ciao, bye bye. Bonne année encore et meilleurs vœux. Salut à tous, la santé surtout. Ciao ciao. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com. Le lien est dans la description de la vidéo.